Morning Business. Business plan. 7h45 sur BFM Business et RMC Découverte. Alors si l'avenir français de la voiture électrique se dessine dans les Hauts-de-France avec les gigafactories, avec l'usine de voitures de Renault, il s'écrit aussi dans l'Isère et il s'écrit avec vous Pierre Barnabé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Soitec. Alors Soitec, société spécialisée dans les wafers, alors c'est plaques qui accueillent les puces et les semi-conducteurs. Vous venez d'ouvrir une nouvelle usine et qui va être dédiée justement à la voiture électrique. Voilà, alors qu'est-ce que fait Soitec? On prend des matériaux semi-conducteurs qu'on associe pour les rendre intelligents, extrêmement innovants, pour en faire des produits qui viennent en support de la fabrication de composants. Et on a adressé effectivement depuis quelques années le marché de l'automobile et tout récemment en investissant le marché du carbure du silicium qui est beaucoup plus conducteur, beaucoup plus efficace pour effectivement gérer l'utilisation de la batterie dans les voitures électriques. Ah, on a annoncé l'usine il y a quelques jours, qui a été désormais totalement opérationnelle. Justement, alors, on parle tout le temps de la batterie, on va passer par la batterie pour avoir plus d'autonomie. Finalement, on va surtout passer par le carbure de silicium, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir batterie plus performante, recharge plus performante, si j'ai bien compris. Oui, si vous comparez des solutions de gestion de la batterie sur silicium classique, vous faites en moyenne 350 km, hein, c'est l'autonomie des voitures équipées de silicium. Avec le Smart SiC, donc notre produit, ça sera environ 500 km. Donc, ah oui, on augmente très, très significativement. Avec la même batterie, on change. Avec la même batterie. Donc, c'est une meilleure gestion, meilleure conductivité, meilleure approche, plus de composants par galette, par wafer. Et puis, le temps de recharge aussi sera divisé entre 2 et 3, avec derrière une très faible consommation de CO2, parce qu'effectivement, comme on arrive, et ça, c'est une des grandes technologies de Soitec, à couper le carbure de silicium 10 fois. Au lieu de n'avoir qu'une seule fois quand c'est une solution classique, eh bien on consomme beaucoup moins d'électricité pour le fabriquer. Donc c'est vrai que c'est une solution qui paraît idéale. Alors c'est vrai que pour Soitec, c'est une véritable seconde vie. C'est-à-dire qu'on vous connaissait longtemps sur les téléphones portables, les téléphones intelligents, les smartphones. Et là, effectivement, une nouvelle page s'ouvre à vous. C'est la voiture électrique, la gestion des batteries. Il faut rappeler peut-être que dans une voiture électrique aujourd'hui, il y a combien de composants électroniques par rapport à ce qu'il y avait dans une voiture haut de gamme il y a 20 ou 30 ans? Alors, si on compare, on n'est pas loin de 50 fois plus, puisque aujourd'hui, dans les voitures très haut de gamme, on est entre 8 et 10 000 composants, voitures électriques très haut de gamme. Alors qu'il y en avait quelques centaines, effectivement, il y a une quinzaine d'années. D'ailleurs, on voit bien le talon d'Achille, hein. Il suffit qu'il manque un composant pour qu'on n'arrive pas à sortir la voiture de l'usine. Hein. Effectivement, ça a été ce qu'on a appelé la crise des composants il y a un an et demi, bon, qui maintenant s'est résorbé. Mais effectivement, il y a de plus en plus de composants dans les voitures. Alors, Soitec, on ne découvre pas la voiture parce que ça fait quelques années qu'on fournit des plaques sur silicium, sur insulator, qui étaient un peu nos produits cœur. Mais aujourd'hui, on s'est diversifié. À 90%, c'est le smartphone, quand même, aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires. Moins que ça. À terme, d'ici à 2 ans, ça sera plutôt 60% sur le smartphone, 20% sur l'automobile et 20% sur les marchés des objets connectés. D'accord. Mais effectivement, la voiture prend de plus en plus d'importance et croît très vite, grâce notamment au carbure de silicium, grâce à l'autonomie, grâce à la gestion de l'infotainment et de la sécurité. Vous avez choisi de vous installer du coup en Isère, où vous avez déjà des activités de la recherche. C'est l'Europe aujourd'hui le vrai marché numéro un de la voiture électrique ou le marché d'avenir? Comment vous voyez justement ce marché européen? L'Europe a deux ambitions. La première ambition déjà, c'est de passer de quelques pourcents, 8 à 9% de fabrication des composants dans le monde à 20%. Donc il y a effectivement ce qu'on appelle le Chips Act. Et d'ailleurs, le commissaire Breton était avec nous la semaine dernière pour inaugurer cette nouvelle usine. Et donc là, c'est une ambition d'avoir des composants de plus en plus importants autour de la voiture, entre autres. Et deuxièmement, effectivement, d'équiper les voitures qui sont de plus en plus équipées d'électronique et également de plus en plus électriques. Donc derrière, finalement, cette usine, il y a la double symbolique pour l'Europe d'avoir plus d'autonomie dans la fabrication des composants, d'ailleurs avec le CEA Leti et notre partenaire STMicroelectronics qui est voisin, on a effectivement ce support, et également effectivement d'avoir de plus en plus de voitures électriques fabriquées en Europe avec des technologies européennes. Vous avez vu cette enquête évidemment ouverte officiellement par l'Union européenne contre les voitures électriques chinoises, soupçonnées de faire du dumping ou de la subvention en tout cas. Est-ce que vous avez besoin de cette enquête et ces droits de douane supplémentaires pour vous défendre et pour exister ou pas? Non, mais nous on fournit
tous les pays dans le monde à partir du moment où on peut le faire. Y compris les 80, Chinois. Y compris les Chinois. 95% de notre production dans nos usines iséroises est exportée. Donc on fournit l'ensemble des produits. Donc du coup, cette guerre commerciale, elle peut même vous désavantager, vous, non? Non, parce qu'on vendra, on continuera de vendre en Chine, aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays du monde. Parce que nos produits sont tellement innovants, tellement avancés, apportent tellement de différenciateurs qu'effectivement, on équipe tous les produits dans le monde. Et après... C'est la règle du commerce international qui s'applique. Mais pour nous, c'est le marché des semi-conducteurs est très porteur, particulièrement pour la voiture. Et donc, effectivement, on exporte vraiment partout. Voilà, Emmanuel Le Chip, vous avez vu une entreprise mondialisée qui vend à tout le monde de toute façon. Donc, qui est, finalement, c'est intéressant de voir que finalement, c'est bisbille politique et commercial. Bah, pour Soitec, ce n'est pas si grave. Au fond, ils sont tellement bons qu'ils vendront à tout le monde. Bah, y a l'écume et puis il y a les grandes tendances. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut être bon, exactement, très bon. Ouais. Beaucoup d'innovation, hein, 10 à 11% de notre revenu est investi en recherche et développement, c'est ça qui nous permet de garder notre avance.